Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour mon Draw My Horse Live, donc c'est parti. Donc pour commencer, l'équitation n'était pas possible pour moi à ce moment-là, tout simplement parce que mes parents n'avaient pas les moyens de me payer des cours. Mais en 2006, j'ai eu la chance de pouvoir partir en colonie d'équitation avec le boulot de mon papa. En 2008, avec la FJEP, c'était un centre de jeunesse, on avait pu partir toute une journée pour faire une journée poney. Et c'était dans une ferme équestre qui s'appelait le Ménil Saint-Michel que j'ai passé cette journée. Et j'ai eu la chance de pouvoir monter une ponette noire qui s'appelait Arissa. C'était vraiment une super ponette très gentille et j'avais adoré la monter et faire une très belle balade avec elle. En janvier 2010, j'ai eu la chance par mes parents qui m'avaient annoncé que j'allais pouvoir faire de l'équitation, mais que j'allais devoir économiser de l'argent pour pouvoir me les payer. Mais bien sûr, ils m'ont aidé. Et c'est donc en septembre 2010 que j'ai fait mes premiers cours au Ménil Saint-Michel, vu que c'était le centre le plus près de chez moi. Et pour mon premier cours, j'avais monté un poney Shetland qui s'appelait Lancelot. Il était pie noir et franchement, je le détestais parce qu'il n'avançait pas et il donnait que des petits coups de cul. Donc c'était horrible. Lors de ma première chute, donc c'était ma première année d'équitation, c'était sur un poney d'1m20 qui s'appelait Petit Prince. C'était vraiment un amour, sauf que la chute, c'était pas à cause de lui, c'était simplement à cause de moi. C'était un cours où on faisait du galop et on devait se mettre en position jockey, sauf que je ne sais pas ce que j'ai fait, je me suis beaucoup trop penchée et je suis passée au-dessus de l'encolure. Donc c'était vraiment une chute banale, mais j'ai pas eu mal, mais j'ai dû faire un très joli gâteau pour la séance d'après. En janvier 2011, c'est là que j'ai passé mes premiers galops. Donc j'ai passé mon galop 1 et mon galop 2 en même temps car je m'étais trompée, je m'étais inscrite dans un stage de galop 2. Mais ça s'était très bien passé et j'avais monté un poney Welsh qui s'appelait Qu'il est beau. Et comme le nom l'indique, il était vraiment magnifique et super sympa à monter. Avec ma réussite de mes galops, j'avais enchaîné directement le galop 3 que j'ai eu également haut la main. Et franchement, j'étais vraiment très fière de moi à cette époque. En septembre 2011, donc c'était ma deuxième année d'équitation, j'ai dû passer à la cour des grands et monter des chevaux car tout simplement j'étais trop grande pour les poneys. Et mon premier cours s'est fait avec un superbe cheval qui était qui s'appelait Kidder et franchement c'est mon premier cours était vraiment fantastique, c'était de la mise en scène mais j'avais vraiment adoré avec lui. Puis j'avais monté un poney de sport, donc un double poney qui s'appelait Pitak. Il était castré il n'y a pas longtemps et franchement ça a été l'horreur avec lui les premiers cours. C'était un cours où il m'avait fait la kata de chez kata et pendant presque 5 minutes il m'avait fait du rodéo mais pas moyen de l'arrêter. Je pouvais faire ce que je voulais et j'étais vraiment en panique à ce moment-là. J'avais tenu tout ce que je pouvais et à la fin j'avais atterri sur son encolure et franchement j'ai eu la peur de ma vie. Je n'ai jamais tenu aussi longtemps sauf que je voulais plus le monter mais ma monitrice m'avait obligée à le monter 6 séances de suite et franchement je l'ai adoré à la fin. Et j'ai également pu avoir la chance de monter une magnifique double ponette camarguaise qui s'appelait Naomi. Cette ponette c'était vraiment un amour, je l'ai vraiment aimée, on avait passé vraiment de magnifiques moments ensemble. Et c'est avec elle qu'en 2012 j'ai passé mon galop 4 et que j'ai fait ma toute première reprise de dressage et franchement ça a été un pur bonheur avec elle. Et j'ai également fait mon premier concours interne car je n'avais pas les moyens de me payer les grands concours. Donc j'étais arrivée première donc c'était vraiment super et les épreuves je les avais passées avec deux loulous. Donc un cheval Pi qui était le frère de Kidder qui s'appelait Rebelle. Et j'ai également monté ma petite chérie Naomi et c'était vraiment très sympa à faire. Puis ce fut la fin de l'équitation pour moi parce que de nouveaux événements sont arrivés.
Et c'est tout simplement en août 2012, j'ai eu la chance d'être pour la toute première fois propriétaire d'un petit poulain qui s'appelait Bilbao. Et ouais, c'est là qu'il fait son apparition. Donc c'était mon cadeau d'anniversaire pour mes 13 ans et franchement c'était un des plus beaux jours de ma vie. Mais malgré ça, de 2012 à 2014, j'ai quand même continué à partir en colonie parce que ça me manquait quand même et j'ai vraiment passé de magnifiques moments avec des superbes personnes. En 2015, l'envie de m'acheter un cheval revient et c'est pour ça que j'ai acheté à ce moment-là Hormel, qui était un cheval origine non constatée qui restera gravé dans ma mémoire, tout simplement que lors d'une balade, j'ai eu la malchance de tomber alors que j'étais en train de remonter dessus. Il était parti au galop et j'étais tombée en dessous de ses pattes. Mais je vous mets un petit lien juste en haut pour vous raconter toute l'histoire vu que j'ai déjà fait une vidéo dessus. Mais ça m'a valu d'aller à l'hôpital et avoir des côtes fêlées. À ce moment-là, avec Hormel, je n'avais plus la place pour le monter chez moi. Du coup, j'avais décidé de l'emmener en pension. Mais après plusieurs problèmes et voyant que mon cheval n'allait pas bien, j'ai pris la décision de le vendre. En juillet 2016, l'envie de me racheter un mini est survenue et c'est là que j'étais allée voir Gobac, un petit poulain miniature, et j'étais tombée totalement red dingue de lui. Mais je devais attendre décembre pour qu'il arrive. Sauf que justement, malheureusement, en décembre, le petit loulou s'est éteint suite à un accident, vu qu'une botte de foin lui était tombée dessus et étant fragile, bah, il n'a pas survécu. Donc à ce moment-là, pour moi, c'était la pire nouvelle de ma vie. Je pense que vous pouvez vous en rappeler, ceux qui m'ont suivi. Je me sentais vraiment pas bien. Mais la chance, entre guillemets, m'a souri et la propriétaire de l'élevage m'a permis de pouvoir acheter une petite pouliche qui s'appelle Gossip, ma petite chipounette, donc voilà, qui fait mon bonheur. Et elle est arrivée à la maison le 29 décembre 2016. Et c'est depuis là que mes loulous me comblent de bonheur chaque jour et que vous suivez notre petite aventure au quotidien. Et j'allais oublier qu'en 2016, j'ai ouvert ma chaîne YouTube et que vous êtes bientôt 20 000 à nous suivre et c'est vraiment extra. Je vous en remercie infiniment et c'est grâce à vous que je peux vivre tout ça aujourd'hui, donc je vous en remercie. Donc voilà, mon Draw My Horse Life est terminé. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la commenter et à la partager. Vous pouvez nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram et Snapchat, les liens seront en barre d'infos. Il me reste plus que vous souhaiter une bonne journée ou une bonne fin de journée. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye !